Monsieur Toumba Diakité. Oui, maître. Vous êtes né où? Pourquoi? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits. Mais vous... Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'études? Je n'ai pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Posez des questions. Parce que c'est des questions répondues. D'accord. Qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus. Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça? Ah, même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous savez ce que j'aime chez vous? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent la cour. C'est un tribunal criminel. La question, maître, le tribunal appréciera tout ça. Oui, non, c'est bon qu'il chasse, monsieur le président. C'est important pour lui. Posez la question. C'est le tribunal, hein, monsieur Diakité. Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous l'a pas dit. Mais en revanche, vous savez ce que je déplore chez vous? Vous savez ce que je déplore chez vous? Monsieur Diakité, Toumbarès. Posez la question, maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je conteste. Posez la question, maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, monsieur le président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas. Je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Qui me semble. Pas poser de question d'abord. Posez la question, maître. Vous savez, monsieur le président. La capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires. Non, posez non, la question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, monsieur le président. Il faut que vous ayez le courage de nous laisser libre, s'il vous plaît, poser nos questions à l'accusé. S'il vous plaît. C'est très important. S'il vous plaît, personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, monsieur le président. Mais qui vous a interrompu, maître? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord, je continue. C'est pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal? J'ai dit la vérité, maître. D'accord.